Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour apprendre à coudre. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite customisation de masque. Comme vous le savez, les masques sont devenus obligatoires pour les enfants à l'école primaire. Et du coup, pour motiver un petit peu mon fils à porter son masque, j'ai fait une petite custo Fortnite. Vous pouvez voir ici ou là. Grâce à ma silhouette caméo. Donc je vais vous montrer comment faire cette customisation en flex grâce à une machine silhouette, une machine à découper silhouette ou Cricut pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Voilà, je vous explique tout ça maintenant. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez Fortnite silhouette. Donc l'idée c'est d'avoir des dessins noirs qui soient faciles à vectoriser et vous allez choisir les images qui vous plaisent et les enregistrer sur votre ordinateur. Alors bien sûr, ça c'est uniquement dans le cadre d'une utilisation personnelle. Il est interdit d'utiliser des images qu'on trouve sur internet et de faire des customisations que l'on va ensuite vendre. Donc vous, moi j'ai choisi trois designs différents. Vous les enregistrez tous et vous allez ouvrir le logiciel Silhouette Studio qui est fourni avec votre machine. Ensuite, vous cliquez sur Fichier, Ouvrir et vous allez chercher la première image que vous voulez travailler. Moi, je vais commencer par le dab. Voilà, vous sélectionnez votre image, vous zoomez. Et vous pouvez même agrandir l'image en la tirant par un angle pour ne pas la déformer. Vous cliquez sur le petit papillon vert qui se trouve dans le menu et vous cliquez sur sélectionner la zone de vectorisation. Là, vous décochez filtre supérieur et vous cliquez sur filtre inférieur. Vous zoomez. Et vous allez regarder que les contours sont bien... Voilà, si on modifie le seuil, on va avoir des contours plus ou moins épais. Donc, vous faites glisser le curseur jusqu'à temps que ce soit satisfaisant. Et vous cliquez sur vectoriser. Ensuite, on n'a plus qu'à sélectionner notre photo et à la supprimer. J'ai maintenant mon trait de coupe. Mais attention, en flocage, on doit mettre le motif sur l'envers, on doit l'inverser, donc on clique sur Objet, Miroir, Miroir horizontal, pour découper notre fichier à l'envers, parce qu'après quand on va venir le plaquer sur le textile, il sera de nouveau à l'endroit, donc très très important. On clique sur la petite lame silhouette pour paramétrer la découpe, et on va choisir... Donc moi j'ai une lame automatique, donc je choisis bien lame automatique, mais c'est pas vinyle silhouette, enfin ça pourrait fonctionner, mais c'est papier transfert, voilà. Transfert à chaud, lisse. Après si vous utilisez un transfert velours, je vous invite à cliquer sur l'option velours. Donc je remets bien lame automatique dans mon cas, si vous avez une lame normale, vous sélectionnez la lame que vous avez. Et ensuite, on pourra envoyer vers la silhouette et puis ça va découper notre fichier. Je mets toujours un rectangle autour de mes designs. Ça me permet de plus facilement pouvoir évider après les parties négatives du flocage. Et puis, ça permet de ne pas arracher toute la feuille, quoi. Parce que c'est vrai qu'une fois que ça a été tracé, on ne voit pas forcément très très bien où sont les traits de coupe dans un premier temps avant de commencer à évider. Donc je trouve que c'est plus facile. Ensuite, vous mesurez l'espace disponible pour votre flocage. Donc dans mon cas, j'ai grosso modo une zone de 4 par 4. Donc je vais cliquer sur mon design et vous voyez que la taille s'affiche en millimètres. Et donc je vais la réduire à maximum 4 cm de hauteur. Et je fais de même pour l'autre figure. Et en plus, je vais les rapprocher, ça va me permettre d'économiser du flex. Et même vu la hauteur de ces figures, qui ne sont que de 4 cm, je vais même pouvoir utiliser des chutes. Donc c'est top. Et donc ensuite, vous lancez la découpe
sur votre machine. Alors vous allez voir, ça va vraiment pas prendre beaucoup de temps, c'est assez impressionnant et bien pratique. Pour des figures un peu plus simples, on pourrait très bien décalquer sur l'envers du flocage et découper à la main. Là, il y a quand même pas mal de détails, donc ça rend la chose plus aisée d'avoir une machine de découpe. Si vous voulez, je vous parlerai de cette machine dans d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, on va se focaliser sur cette petite customisation. Donc voilà, ça a déjà terminé et il n'y a plus qu'à évider. Alors ça peut prendre très très longtemps selon les designs. C'est pas forcément la partie la plus facile. Mais là, dans le cadre d'une silhouette, on enlève délicatement le tour et on n'aura plus qu'à enlever les petites parties. S'il y a d'autres parties qui ont été découpées à l'intérieur de la silhouette, comme au niveau des bras pour moi, il faut les enlever aussi, il ne faut pas les oublier. Ensuite, si vous n'avez pas de presse comme moi, vous prenez votre fer très très chaud, sans vapeur, et vous vous mettez avec un torchon sur le sol, sur du carrelage, c'est mieux parce que sur la moquette ça risque de l'abîmer. Vous positionnez le côté collant vers le tissu, le côté lisse vers vous, votre design sur le textile que vous voulez customiser. Donc dans mon cas, des masques. Voilà. Et vous prenez votre papier sulfurisé que vous allez placer par-dessus. Donc c'est grosso modo, il va falloir grosso modo appuyer, mais appuyer assez fort pendant une dizaine de secondes. Ça arrive de brûler du flex, donc faites attention, le mieux c'est de faire 5-6 secondes et puis de regarder, de vous assurer que vous n'avez pas brûlé votre flex et puis de toujours bouger un petit peu votre fer. Et vous prenez délicatement le plastique du dessus et vous essayez de le décoller en laissant le flex le plus à plat possible. Si vous voyez que c'est pas bon, vous remettez un petit coup de fer. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé le plastique, moi je remets un coup de fer à repasser. L'idée c'est qu'on voit le tissu du dessous à travers le flocage. Et là, ça veut dire qu'il est vraiment bien imprimé sur le tissu. Si c'est pas le cas, si le flocage est encore trop lisse, il risque de partir à la machine à laver. Donc c'est vraiment pas l'idée. Et après, une fois que c'est bien appliqué, vous pourrez laver à 30 degrés vos textiles floqués sans aucun problème. Donc voilà, je renouvelle l'opération sur mon deuxième masque. Vous voyez que c'est vraiment rapide. Parfois, c'est quand on a passé des heures à évider du flocage, ça peut être le stress, hein, cette étape. Parce que ça, on peut tout faire rater à ce moment-là. Mais là, ça a l'air de bien se passer pour moi. Donc voilà, j'ai ma deuxième silhouette Fortnite sur le masque et la customisation est terminée. J'ai plus qu'à espérer que mon fils soit content. Si ce tuto vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir un message dès que je poste une nouvelle vidéo. À très vite.